C'est qu'il serait peut-être un peu mieux de parler des films français pour la semaine Pero du cinéma français. En realidad, como se trata de la semana de cine francés, más le gustaría que le preguntan algo sobre cosas típicamente francesas o de películas francesas. Moi, je voudrais leur demander, puisque c'est la première fois qu'ils ont eu l'occasion de voir Brigitte Bardot, qu'ils pensent de Brigitte Bardot. Elle va faire une pregunta. Quiero preguntar qué opinan ustedes de Brigitte Bardot. Quel âge? 29 ans. 29 ans. Tiene 29 ans. Entonces, ¿qué opina usted? Que... Alors, alors, que pensez-vous de Brigitte Bardot? Non, comment? Es una personalidad muy interesante, pero que a mucha gente que le pareció une, que ya había tenía premeditadas sus respuestas, porque parece que c'est está une personnalité très attachante, mais il semblait qu'elle avait préparé ses réponses. Bueno, I'll tell you something. Yes, tell me, madame. As a woman, I think she's very pretty, very intelligent, very smart, with a beautiful figure, and I think she has been underestimated by many, many journalists in this country. Yes, que es una personalidad muy interesante, que le parece que el público mexicano tal vez no el público, ciertos periodistas. Los ciertos periodistas journalistas. No se dieron cuenta de su valor, que es muy grande. La subestimaron. La han subestimado. No, sous-estimé, c'est ça. Sí. Je crois qu'il faut préciser à monsieur que justement Brigitte est quelqu'un de très spontané, qu'elle ne prépare jamais. Precisamente contestamos al señor que nunca prepara sus contestaciones Brigitte Bardot. Es una cosa que viene al último momento y nunca lo ha pensado antes. Nosotros que la conocemos muy bien, podemos confirmar en todas las circunstancias responde con una gran espontaneidad. Depuis longtemps, Brigitte Bardot avait abandonné ses débats qui devaient lui paraître, quoiqu'il fût surtout question d'elle, bien arbitraire et monotone. Son humour nous avait frappés, mais aussi son courage face à la horde des questionneurs. Et la voyant se promener à Teotihuacan, en ces lieux voués au culte de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, nous avons entendu une très vieille danse aztèque ressurgir et accompagner ces images de détente et de bonheur.